Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Bon, du coup, je vais me chauffer, je vais en avoir besoin. Parce que je veux pas mettre la pression à Celeborn. Mais il m'a dit, je suis un monstre. Je lui ai dit, t'es sûr? Tu veux pas te chauffer, faire les situations, faire les Tero Hunt et tout? Il a dit, je fais confiance à mon aim et mes capacités exemplaires et de ouf sur tous les FPS. On est dans la merde du coup. Ah ouais, non, je sens. Mais je sens qu'il va être bon. Je sens que je vais. À deux, on va faire des trucs de ouf. J'en suis persuadé. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Alright, let's go. Prendras-tu des viewers compétents pour compléter la squad? Il est con. Meilleure blague de 2020. Des viewers compétents, il a dit. Elle est trop drôle. Des viewers compétents. Oh, on l'avait jamais fait celle-là. Putain, j'en chiale. Hey! Hello. Hey, ça va? Ça va, je suis. Putain, regardez, t'es un petit peu plus que moi sur le jeu quand même, pendant l'échauffement. Ouais, bah ouais, l'échauffement c'est important en plus sur Rainbow Six quoi. Ouais, bah si tu veux, mon échauffement, si tu veux, aujourd'hui c'était de débloquer entre midi et deux là, les situations, et puis voilà. Du coup, c'est quoi ton passif sur le jeu là? Bah, je l'ai installé hier. Gros passif. C'est pas une blague. T'as fait les J'ai fait. situations ou pas? Ouais. Ouais, j'ai fait situation et j'ai fait novice là. Ouais, ça c'est pas mal, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes avec des smurfs. Enfin bon, ça évite pas forcément, mais. C'est comme CS, ouais. Ouais, tu peux vraiment tomber avec des personnes qui vont pas rusher comme des gros totos et tout, parce que c'est ce que j'expliquais, le problème de Rainbow Six, c'est y a vraiment un énorme gap entre les personnes qui débuteraient et des personnes qui connaissent le jeu. Et la vraie problématique là-dedans, c'est qu'il peut y avoir une frustration, notamment sur des personnes comme toi, qui sont de très bons joueurs de FPS, mais qui vont se faire retourner par des gens qui sont pas très forcément des joueurs de FPS avec un aim de ouf. Et le problème, c'est qu'avec des personnes à la limite qui sont novices partout, c'est-à-dire des novices de FPS et des novices de Rainbow Six, il n'y a pas vraiment de problématique parce qu'il n'y a pas de frustration qui se crée. Alors que quand tu joues à des FPS, que tu as l'habitude d'être un bon joueur de FPS et que tu te fais saucer sur Rainbow Six parce que tu as l'impression que le mec en face, il n'est pas vraiment très bon, mais qu'il a pris une petite ligne, un petit truc, etc. Bah ton expérience, et c'était la base du Rookie Mistake, et le nom et le hashtag qui est resté du coup, ton expérience de Rainbow Six, c'est toujours la même. C'est en gros, ah ouais, ah ouais, ah ok, je savais pas que, ah d'accord, et tu te fais saucer toute la journée. Et à chaque fois que c'est ah ouais, c'est une mort. Hein. C'est pas toi qui viens de faire une mort de ouf en te disant ah je viens d'apprendre que. Non, non, c'est toi qui viens de te faire retourner et tu viens d'apprendre. Mais c'est hyper désagréable quoi, parce que ça veut dire quasiment, allez, je sais pas moi, 200, 300, 400, 500 morts. Alors bien sûr, tu vas faire des kills, mais ça veut peut-être dire 500, 1000 morts avant de commencer à voilà, avoir les bases sur chaque map quoi. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Alors là, le problème, c'est qu'on part en casu. Et bon, ça, je suis pas fan en fait. La problématique, c'est que en casu, il y a tout le map pool. Donc, il y a des maps qui ne sont pas en ranked. Donc, c'est un peu. Voilà, si Ouais, bah tu. c'est comme CS quoi. Comme CS, exactement. Bah là, typiquement, on est sur une map. Bon, map casu, quoi. Map Yacht. C'est une map qui est arrivée très tôt dans le jeu. Premier DLC, il me semble. Et puis bah, pas du tout compétitive en fait. Trop petite, trop de bruit ambiant en plus. Mais sympa à jouer. Sympa à jouer en casu. Voilà, donc ça c'est typique. Quoi, il y a eu un TK d'un rageux ou une... Ouais, ou alors le mec il a voulu lui dire pousse-toi et puis il a perdu patience quoi. C'est mauvais bail de mettre le fait de marcher sur la souris. Il y a du monde derrière, non? T'es mort? Ouais. Ok. En règle générale, ce que tu peux faire au début, si tu connais pas les maps, franchement, je recommande à tout le monde de camper, quoi. Là, par exemple, bah voilà, je suis en 1v3, tu vois. Je vais venir là, je vais prendre une ligne et je vais camper, honnêtement. Alors le truc, c'est en règle générale, bon, les mecs vont rusher. Donc je vais pouvoir faire des kills assez facilement. Mais souvent avec des pros, le prochain truc que je vais voir maintenant en 1v3, ça va être un drone. Tu vois? Et là, le Une son est info, quoi. important.
Et en règle générale, quand tu tues un mec, tu bouges de position. T'es droné, tu bouges de position. Tu casses la ligne. C'est un jeu de ligne, en fait, Rainbow Six. Et tu peux faire des trucs comme ça, tu vois. T'es pas obligé d'aller chercher les... Faut pas partir en mode frag movie, en fait, je le dis souvent. Là, il sait même... Là, il drone pas, lui. Donc, il va vouloir me tenter, mais bon... Il a aucune idée de ce qui se passe. Bon, lui, il a pris un peu un travers. Et le dernier, là-bas. Ah, et ça c'est con. Parce que là, son erreur à lui, c'est clairement quand il commence à prendre des balles, bah, faut droner. Parce que dans Rainbow Six, le mec qui va t'attendre, s'il a une petite ligne, il va forcément avoir l'avantage. Donc là, c'est la nouvelle map qui a été rework. Enfin, c'est une ancienne map qui a été rework et qui est plutôt sympathique, honnêtement. Alors, ça a poussé par là sur le ping. Si tu veux, je vais prendre cet endroit-là et toi, tu peux regarder le ping, là. N'hésite pas vraiment parfois à t'allonger énormément pour casser le crosshair placement et à te foutre dans des petites lignes. Alors, il y a un petit trick qui est très sympathique, qui passe très bien. C'est s'allonger dans la grille ici, là où je suis, et tu peux tirer à travers la grille. Et il te voit pas, en fait, avec la smoke. Alors, c'est pas super simple. Si t'es droné, bien sûr, t'oublies tout de suite. Il y en a un qui est à l'autre endroit, poulet. Tu l'as mis à terre, finis-le. Et l'autre, sur le ping. Je te laisse le faire. Just hold back. Just stay back, I mean. Il va prendre à jouer. J'ai Michel le coach. Nice play, guys! Je pense que Six a fait une belle rencontre, bah, c'est sûr. Après, est-ce qu'il a sa place en équipe de France? Rien n'est moins sûr, quoi. Je suis perdu. Pour moi, c'est ça la plus grande difficulté. Je sais pas savoir d'où ça peut venir. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut rester sur site en fait. Et attendre les 15 dernières secondes quand tu connais pas le jeu. Et après, t'étends ta zone de confort et donc ta zone de knowledge au fur et à mesure, quoi. Là, t'es bien. Vas-y, viens avec moi qu'on fasse un kill quand même. C'est là, ouais. J'ai entendu à gauche. Ok, t'as raison, ouais. Elle est complètement détectée quand on sort, c'est génial. Ouais, ouais. Je t'ai vu sortir, tu sais, j'ai fait bah non, j'y vais pas. Ouais, alors, tu connaissais ce truc, ouais, ou pas? Joueur Battlefield, non, je connaissais pas. Alors, en fait, ouais, les défenseurs ne peuvent faire des sorties que 2 secondes. C'est tout. Autrement, les mecs ont un wallhack. Alors là, je sais pas comment t'as fait le kill, mais il doit vraiment avoir un level de... C'est ce que tu dis, c'est un mauvais. De poireau albinos, là, je pense. Ah ouais, parce qu'il te voit, lui, hein. Il a le wallhack activé, etc. Donc les sorties sur Rainbow Six, au début, elles étaient à 5 secondes et ils se sont rendu compte que c'était beaucoup trop et ils l'ont mis à 2 secondes. Donc c'est très compliqué de faire des sorties sur Rainbow. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est pas le premier truc que tu vas faire, quoi. Vas-y, je vais te droner. Regarde, décale à gauche, tu vas voir mon drone qui saute. Et juste devant mon drone, t'as le trap de lésion. Regarde, mon drone saute. Et juste devant mon drone là, tu peux tirer devant mon drone. T'as un trap de lésion qui est invisible, un peu comme Predator. Juste devant mon drone. Fais gaffe, l'autre il arrive, il y a un bandit qui arrive à droite. Ouais, il a pris une petite ligne. Est-ce que tu peux droner du coup? Pour savoir ce qui se passe à droite. Y'a personne. Ah, c'est au fond. Il est mort. Regarde, attends. Tu peux venir avec moi, poulet? J'arrive. Et regarde, cette merde là. Ça, c'est le piège de Capcan. Tire dedans. Quoi, le petit ça là? Ouais, ça, ouais. Ouais, quand je te dis Rainbow Six, c'est les détails, c'est vraiment des détails. Ça t'enlève 50% de HP en fonction de ton armure, justement. J'ai pris 60 hein, tout à l'heure, moi. Ouais, en fonction de ton armure, t'es un d'armure, toi. Donc là t'as pris le castle, tu peux aller renforcer ces murs là par exemple, ces deux murs là. Pourquoi? Parce que en fait tu vas t'apercevoir par exemple que t'as une énorme zone à renforcer ici là, quand tu vas te retourner.
Mais bon, parfois, en fait, on peut ce qu'on appelle délocaliser les défenses. Imaginons, par exemple, que tu considères que dans ton échiquier, Rainbow Six, c'est un échiquier. Imaginons que la map et donc toutes les petites carrés, ce soit un endroit de la map. Imaginons que tu aies vraiment analysé un carré comme étant indéfendable parce qu'il y a une trappe, parce qu'il y a trop de murs à renforcer. Bah, parfois, peut-être que le carré d'après est plus simple à prendre, en fait. Et là, il vaut mieux, ici, là où tu viens de renforcer, prendre cet endroit-là que tu viens où je suis. Avec ce mur renforcé là, là, où il va y avoir des gens qui vont arriver, que devoir rester sur site et renforcer 1, 2, 3, 4 murs là. D'accord. Oh voilà, là ça a été pingé, ça doit prendre le garage visiblement. Parce que l'endroit le plus simple à prendre. Donc là ils termitent tout. Hein. Ils ont termité l'endroit que tu as renforcé, ce qui est pas con. Ce qui est, ils jouent bien, hein, franchement, pour des. Pour de la casu, c'est pas mal. Il y en avait deux qui attaquaient dans le garage. Nice, c'est un monstre. Super, nice. Vous attendez 3 secondes. Hein non, non. Pas bon le trade. Oh, j'ai envie de l'avoir la calée quand même. Drone, il y a mieux spot. Ah. Alors ça peut venir de là-bas, voilà, exactement. Moi je regarde les murs qui sont pas destructibles. Ouais. Toi, c'est... Comme d'hab, c'est que du map knowledge. Hein. Là c'est. Là les deux angles que tu regardes sont bons et ça peut être des endroits où ça peut arriver, effectivement. Attention, il y a une Kali que tu viens d'entendre, c'est un snipe. Si tu loupes ton engagement, en particulier avec ce gros point rouge là, ça peut être compliqué. À droite du coup, là où tu regardais. Allez, essaye de mettre des têtes. Tu t'es fait droner, tu te rebouges, j'aime bien, ouais. Oh là, ça fait mal ça. Allez, barre-toi. Voilà, t'as perdu ton duel. Maintenant, attends ici et allonge-toi. Parce que tu casses le crosshair placement et là, tu lui décroches une tête. Ça, c'est jouer à Rainbow. Je bouge, je suis droné. Là, allongé, casse le crosshair et quand il rentre, tu le défonces. Il va droner, ça, c'est le bruit du drone. Il drone. Tu casses le drone, tu reprends. Ouais, voilà. Y'a combien de drones Alors, chaque opérateur peut avoir un maximum. 10 drones. Voilà, c'est le max que tu peux avoir en tout. Donc, ça fait un sacré paquet de drones quand même. Mais là, t'as très bien joué. Sauf qu'en face, ils ont joué exactement comme il faut le faire. C'est-à-dire, un drone qui part. Ouais. En fait, la personne qui t'a décalé n'était pas celui qui dronait. Et ça, c'est extrêmement important. Et ben, merci encore une fois à toi. Et puis, bonne soirée. Et puis, on se retrouve. Pour de la super enquête en plate 1 très bientôt alors. Ça marche, pas de problème.